Debout, debout là. Réveillez-vous. Réveillez-vous là. J'allais dire quoi, je suis dégoûté parce que je n'ai pas profité du sauna, de la piscine, de tous les trucs qu'il y a ici. Alors qu'en vrai de vrai, il fait grave bon. Là, aujourd'hui, j'ai pas grand chose. À part que je vais enlever mon. Là tout à l'heure j'ai enlevé mon pansement. Et puis voilà, après on est bon. Et après on enlève tout, après on attend, on prend les médicaments, on fait tout, tout parfaitement. Les gars, je vous ai donné les coordonnées de l'esthétique médiclinique et en vrai de vrai, continuez à lui envoyer des messages parce que en vrai, c'est la folie, c'est ce qu'il m'a dit, c'est la folie. Il est débordé, n'hésitez pas à relancer, n'hésitez pas à envoyer des messages pour des devis. Et comme je vous ai dit, il y a tout, absolument tout. Ça veut dire de A à Z, rhino, tu veux faire une BBA, tu veux enjoliver un peu le derrière, chérie, tu veux faire un peu les dents, tu veux faire un peu ci, ça, ça. N'hésitez pas, c'est juste que même moi, là, je suis... Lui, je le vois, il est débordé. Continuez à envoyer des messages, n'hésitez pas à relancer. Vous aurez un devis très vite, ça va aller très très vite. C'est comme je vous ai dit, moi perso, il y a 10 jours, je lui envoie un message, il m'a donné une date dans l'après-midi. Je sais pas comment me faire et c'est super rapide, franchement super efficace. Donc allez-y, n'hésitez pas encore, je vous mets le Insta, je vous mets tout. Et cliquez, hein. Cliquez, allez poser des questions. Allez. Mais si jamais vous avez envie de faire la même chose que moi, ça veut dire une greffe, sachez que justement, il fait une offre, un maximum de greffons, la PRP, tout. C'est-à-dire que moi, voilà, j'en ai fait 3000. C'est rien, 3000. Il y en a, ils vont jusqu'à 6000, etc. C'est énorme. Et ben justement, par rapport à ça, ils font une offre. Donc dites-leur vraiment bien que vous venez de ma part, que vous avez vu dans la story, etc. etc. Et en fonction de ça, ben... Vous avez un maximum de greffons. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent. Et en vrai de vrai, c'est pas ma boîte. Je peux pas gérer. Moi. Je peux pas gérer. Et je ne saurais pas à vous répondre comme il faut. Je vais parler par rapport à moi. Mais vous inquiétez pas. Si vous voulez vraiment savoir, allez-y. Et comme je vous ai dit, par rapport à moi, je vais vous faire une super belle offre. Donc si vous avez toute la carrosserie à refaire, vous inquiétez pas, ça va aller. Je suis blond. Je suis blond. Ah, blonde hair là. Noël. Blonde hair. Blonde hair. Bon, bon, bon. Je Non, on va se faire. Yo, hein. Merci. J'ai enlevé, là j'ai tout fait, regardez, ils m'ont enlevé mon pansement, bam bam bam, c'est réglé. Merci à tout le monde. Thank you. Ça y est, on est libéré, on est. Eh oui. J'ai tant redouté ce moment, j'y peux rien car maintenant on y est. Mais tu peux plus reculer devant les keufs, le seul truc qu'il faut faire c'est nier. Fini de maman, fini de manger, je veux faire le tour de Istanbul. C'est magnifique comme style, like, les gens sont gentils, le bouffe, le à manger, c'est very gentil, not too bad, I'm like, confused parce que c'est vraiment magnifique de trouver une ville comme ça quoi, je trouve ça wow, amazing, people say amazing, 1, 2, 3, amazing, donc voilà, c'est magnifique le truc. Et quand je vois ces affaires, je me dis que c'est mon pantalon, c'est mon direct sur la tête. C'est mes lunettes? Mais qu'est-ce que tu fais avec mes affaires?
les gars, j'étais à la mosquée Sainte-Sophie. Incroyable. On m'a fait visiter, c'était une dinguerie. Incroyable. Même dedans, c'est l'architecture, même l'atmosphère, c'est... surpris. J'aime bien faire des petites visites comme ça et tout. C'est pas un truc que je fais d'habitude. Là, je prends un peu le temps. J'ai quelques jours encore à Istanbul. J'ai un bon guide, voilà. Ah, là, très bon guide. Ah, je vous ai dit, ça continue. Mon séjour, il continue. Mais j'ai vu des belles choses. Et c'est que le début. La gente. Et tu le savais, papi, là, je suis en train de voir, visiter un peu la ville d'Istanbul parce que c'est vachement grandi. Non, c'est lourd en tout cas. C'est vraiment lourd. Vraiment, vraiment lourd. Sacándome la lengua, está haciendo mi vida tan bella. Vous expliquer, c'est simple. J'ai toujours le même problème avec les gars en télé, alors qu'en vrai de vrai, rien du tout. Ça commençait déjà avec Andrew, il m'a fait des trucs de fou. Ça après, c'était quoi? C'était qui? C'était Marvin, avec qui je parle plus aujourd'hui. Enfin voilà. Après, c'était Bujdad. Et là aujourd'hui, tu vois, moi, voilà, avec Anto, j'ai toujours aimé ce gars, j'ai toujours aimé comme un vrai frère. Tu vois, comme avec les autres d'ailleurs. Hein, comme avec les autres. Et au bout d'un moment, tu vois, j'ai appris des choses. Tu vois, j'ai appris des choses et tout. Et au final, t'as vu, avec les gens, c'est même pas t'es énervé. T'es déçu. Tu vois, t'es déçu parce que il y a des comportements de certaines personnes que tu t'attends pas. Comme je vous dis avec... voilà, Andrew, je m'en balèque encore. Mais avec Marvin, j'ai vraiment aimé ce gars-là. Avec Mujdad, j'ai vraiment aimé ce gars-là. Et je pensais pas vraiment, j'ai jamais vraiment pensé qu'avec Andrew... Chaque fois, c'est le même scénario en plus. Hein. C'est des gars qui font genre, qui s'en foutent d'une meuf, que c'est fini, c'est du passé. Et ils arrivent quand même à te faire des trucs de ouf. Tu vois? Et en gros, vas-y, ils n'assument pas d'être un peu mielleux, d'être un peu... voilà, d'être un peu... vas-y, frère, t'as le droit. Tu vois, si t'aimes vraiment bien la personne, t'as le droit. Et ce qui s'est passé en l'occurrence là, c'est quoi? C'est que bref, déjà vous savez ce qui s'est passé avec Marvin plus ou moins. C'est pour ça qu'on se parle plus par rapport à Neverly, par rapport à... bref, il pensait que je voulais la gérer, je voulais pas gérer, patati patata, je me suis expliqué. Bref, Mujdad, il a inventé que moi je voulais gérer Felicia, frère. Alors qu'il sait très bien, toute la maison le sait que je voulais pas la gérer. Et même lui, il le sait, au fond lui, pour revenir sur le cas. Tu vois? Et au final, t'as, en fait, vas-y, c'est des insecure boys. T'as capté? C'est des insecure. Insécure, ils sont en manque de confiance en eux, du coup ils projettent des trucs, ils inventent des choses. C'est une folie, frère. C'est une folie, frère. Les gens, c'est des ouf. Et je pensais pas que ça allait arriver. Vous pouvez demander à tout le monde dans l'aventure, Anto et moi, on était comme ça. On dormait ensemble, on se racontait toutes les histoires, les prétendantes, le monde, l'extérieur. On avait plein de projets en commun ensemble, on en discutait tous les jours, etc. Et bref, en sortant de l'aventure, tu vois, moi, voilà, je parle avec mes gars, je parle un peu avec les gens et tout. Bref. Et moi, voilà, Marwa, c'est une personne que j'aime beaucoup. C'est une personne que je la connais depuis, justement, elle est de Genève, elle est comme moi, frère. Je la connais depuis que j'ai 15 ans, peut-être. Et c'est une personne avec qui j'ai une grande, grande amitié. Et c'est juste ça. Ça veut dire que même ce que vous voyez tout, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Même si je sais que tu as voulu croire que... ah, t'as douté. Il n'y a rien. Tu vois? Il n'y a rien. Mais au bout d'un moment, tu vois, ce qui m'a rendu ouf, c'est que... c'est Anto, il avait un discours où voilà, j'aimais bien. Après, des fois, voilà, il veut pas faire le mieux. Bref, après, il a le discours, après, il veut pas se projeter. Vas-y, ça, j'en veux pas, tu vois. Mais voilà, on était comme les deux doigts de la main, on se disait tout. Et t'as vu, s'il aimait vraiment une femme, vraiment, t'as vu, j'aurais poussé d'un même, il y a une femme qui devait venir peut-être. Et vas-y, j'étais avec lui, tu vois, comme les deux doigts de la main, je le soutenais jusqu'à la mort. Et en fait, au bout d'un moment, Marwa et moi, c'est vrai qu'on était très proches, mais c'était très amical. Tu vois. Et Anto, il savait. J'en avais déjà parlé de que voilà, c'était anodin. Mais en fait, au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai eu des échos, tu vois. J'ai eu des échos, plein de trucs que je vais pas forcément dire. Mais vous voyez, par exemple, Hicham. Il est parti voir Hicham. Il va lui dire, vas-y, tu trouves pas que Nathan Marwa, c'est chelou, il se passe quelque chose et tout, etc. Hicham, il lui dit, écoute, frère... t'as vu, tu parles de Nathan, frérot, c'est des potes et tout. Moi aussi, je suis pareil avec Marwa, c'est notre poteau, t'as vu. Concentre.
Marwa et moi, on est proches et tout, etc. Mais Cham, il lui dit en mode, t'es sérieux, quoi, c'est Nathan, frère. Il est proche avec toutes les meufs de la maison, c'est Marwa, frère, il la connaît depuis... ils sont de Genève, de la même ville, ils se connaissent depuis longtemps, rien à voir. Tu vois? Et il lui dit, ouais, mais toi, c'est pas pareil que Marwa. Parce que Hicham aussi, il est très proche de Marwa et elle est tactile autant avec lui qu'avec moi parce qu'on a une amitié, en mode, vas-y, on se protège, tu vois? Mais, en mode, il lui dit en mode, ouais, lui, chelou. Tu vois? Sauf que moi, il m'a jamais parlé de ça dans les yeux. Alors que c'est le premier, ouais, j'aime pas les hypocrites, j'aime pas les gens qui parlent dans le dos, j'aime bien qu'on me dise la vérité en face. Alors que moi, je dormais avec lui. T'as vu? Moi, je suis son gars. T'as vu? Si moi, demain, je peux laisser... Anto, j'aurais pu le laisser avec Kayla, avec n'importe quelle de mes meufs. Je sais qu'il aurait pas, géré. Parce que c'est mon gars. Parce qu'on a cette éthique de... Vas-y, tu t'avances avec elle. On va pas commencer à te mettre des bâtons dans les roues. Quand il s'embrouille avec Dylan, par rapport à Marwa, c'est moi qui suis venu à... Bref, je prends les patins d'Anto parce qu'Anto, c'est mon gars, voilà, c'est mon soldat, etc. Et vas-y, ce qui m'a rendu fou, c'est quoi? C'est que vas-y, moi, c'était vraiment... Moi, t'as vu, je suis quelqu'un, vas-y, je fonctionne vraiment à l'humain. Et bref, ça m'a rendu fou parce que je me dis, il est bizarre. Ça veut dire qu'il est parano avec quelqu'un qui ne doit pas être parano, sauf que moi, j'aurais jamais été avec lui, bref. Mais bref, au bout d'un moment, je me dis quoi? Vas-y, c'est quoi, laisse couler. Comme on s'était dit qu'on allait faire plein de trucs à l'extérieur, vas-y, frère, base-toi sur ça. Bref, à l'extérieur, j'essaie de le voir. On a Paris en même temps. On avait dit studio, dit ça, ça, on fait ça, tag, vidéo, truc, nanana. Je me dis qu'on va le faire. J'envoie un message. Paf. Vas-y, il me répond au bout de 3 jours. Je renvoie un autre message, vas-y, viens, on se capte et tout, machin. Il me répond 4-5 jours après. Ouais, vas-y, je viens de voir que maintenant, patati patata, appelle-moi sur... Fallait m'appeler sur mon autre numéro alors que j'avais appelé sur tous ses numéros, sur son WhatsApp, sur Insta, sur truc. Et là, t'as vu, je commence à psychoter. Et là, ça commence à me rendre fou, tu vois. Moi, j'ai vécu avec Anto. T'as vu, moi, je sais très bien comment il est, tu vois. Je sais très bien comment il est. C'est quelqu'un, j'étais avec lui tous les jours. Je sais comment il est, j'ai fait 3 programmes avec lui, je sais comment il est. C'est quelqu'un, il n'aime pas se mélanger. C'est quelqu'un, il... T'as vu, vas-y, pour esquiver les gens, il a ses petits trucs. Même moi, dans la chambre, quand je suis avec lui, vas-y, frère. Je veux pas qu'ils viennent devant la chambre, dis-leur, machin, je sais pas quoi. Ou je veux pas que nanana, vas-y, viens, on les esquive. Ah, c'est bon, c'est relou, nanana. Et en fait, ces actions-là, qu'il faisait aux gens, il commence à me les faire à moi. Ça veut dire que, frère, moi, je sais ce que tu fais. Tu peux me raconter n'importe quoi, moi, je sais ce que tu fais. Mais t'as vu, si tu me fais ça à moi, alors que moi je te considère, c'est que tu me respectes pas. T'as capté? Et moi, je vais manger le truc à personne. Et lui, en fait, ce qu'il aime bien, c'est que vas-y, frère, on lui bouffe le machin, frère. Tu vois, sauf que moi, je suis pas un bouffeur de machin. Ça veut dire que si je te porte dans mon cœur, on va avancer, on va faire les choses pour de vrai, avec le cœur. Mais si tu commences à penser avec la tête, frérot, tu vas voir. Juste pour voir un jour, t'as vu, je le teste. Au final, on se croise dans une soirée, tout machin. Il me check en mode, vas-y, frère. Tu vois, en mode, vas-y, frère. Et là, c'est la goutte de trop. Ça fait au bout d'un moment, c'est mort, on coupe les ponts, on part plus, et moi j'envoie un message, et je lui ai bien dit, tout simplement, t'as vu, je suis même pas énervé, moi, de... je suis même pas énervé, tu vois, je suis déçu, parce que frère, on va pas faire les hommes, t'as vu, je vais même pas m'embrouiller avec lui, frérot, faire un octogone, s'il veut aussi un octogone, si ça le soulage, moi ça me soulage pas dans le sens où, t'as vu, c'est toujours la même chose, avec les gens, je les aime bien, tu vois, mais à la fin, ils font toujours des phases, t'as vu, pour te décevoir. Tu vois, Marvin, c'était pareil avec Neverly. Frérot, je lui dis, tu sais quoi, je sors du tournage, je vais te voir à 8000 km. Boum. Ouais, je vais voir si j'aurai le temps. Je sais pas si j'aurai le temps de te voir. Anto, machin, je viens, je parle avec toi, je viens, tu me dis tout, je dis rien. Je suis loyal avec toi. Bam, bam, tu me fais. Mais je dis, pareil. Tout le monde, toujours le même problème. Tout ça parce qu'ils n'assument pas d'être mielleux. Pour entendre la même chose encore en fin de tournage, quelqu'un qui vient qui me dit, ouais... À la fin et tout, etc. Nathan, truc, il a encore parlé de toi, patati, que tu voulais gérer Marwa, que truc. Et ça, il me l'a jamais dit. Et ça, ça me rend ouf parce que, frère, encore une fois, c'est le premier à dire je déteste les hypocrites. C'est le premier à blâmer, dire les gens, ils sont faux ici, dans cette maison. Et frérot, il me fait ses phases. Tu comprends? C'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai brillé. Je lui ai dit, frère, je lui envoie un audio parce qu'il m'a envoyé un audio derrière. J'ai pas répondu. Et 4-5 jours après, je lui ai envoyé un audio en mode, frérot. C'est quoi, t'as vu, nous deux, c'est mort. C'est mort, t'as vu, c'est fini, frérot. Moi, je bouffe le machin de personne. T'étais mon gars, je t'ai considéré, je suis même pas énervé. T'as vu, je suis déçu. Comme je vous ai dit à vous, là, tout de suite, là, c'est juste que je suis déçu de la personne parce que moi, au bout d'un moment, j'ai considéré vraiment comme, comme je vous dis, tous les jours, on était ensemble, les deux doigts de la main, du son, la musique, on se coiffait, tout, tout, tout. Toutes les activités, on voulait les faire à deux parce que c'était mon gars. Et voilà pourquoi c'est fini. Si c'est ça, si t'es mielleux, frère, si t'aimes bien être mieux avec les femmes, t'es mieux avec les femmes, les gars, faut pas. T'as vu? Parce que moi, je déteste les gens qui font genre, je m'en fous, mais
Vas-y, ils s'en foutent pas et derrière, ils font des faces bizarres. Moi, je déteste ça dans la vie. Et c'est toujours la même chose, toujours le même problème avec les gens. Ils font genre, ils s'en foutent, mais derrière, ils vont parler, ils vont dire ci, ils vont dire ça. Ah, frérot. Hein? Tu vois, venez, venez, on se concentre, les gars. Concentrez-vous, les gars. Tu vois, demain, t'as le droit, t'aimes une meuf. Vas-y, dis j'aime une meuf, c'est clair. Mais pas, je l'aime pas trop, mais ah, ouf, derrière, tu l'aimes bien, tu fais des crises de jalousie. Tu dis pas aux gens, au lieu de venir me parler, frérot, frère, c'est naze. C'est tuba, c'est fatigué, frère. C'est tuba. Tu vois, frère, c'est pas parce que Kéline elle a fait machin, c'est pas parce que Cynthia elle a fait machin, c'est pas parce que. Vas-y, frère. Oh, tu vois, moi, t'as vu, j'étais ton vrai gars. Toi, je t'aurais jamais fait de trucs chelous, j'aurais jamais fait de trucs chelous. Et ça, il le savait. Mais il a quand même fait des passes de miel, il a quand même fait le mec, je m'en fous. Jean, la vie de ma mère, arrêtez d'être jaloux pour rien. Il y a quelque chose qui va pas dans la tête, pas dans le cœur. Allez faire la villa, bordel. Allez faire la villa, madre mia. Allez faire la villa, frère, arrêtez de me casser la tête. C'est pas parce que vous avez des problèmes en vous que vous êtes insecure boy. Tu vois, manquer de confiance, des fois, manquer de confiance aux gens, aux femmes, en vous. Un mélange de tout ça, ça donne des comportements bizarres. Arrêtez. Arrêtez, les gars. Non, stop. 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 Je me sens super trahie de part de Nathan. Le moment que je me tourne le dos, il est en train d'embrasser la fille qui vient d'arriver. Mais c'est pas possible. En fait, j'ai l'impression qu'il me respecte. Oh my god, je me sens vraiment comme un popstar. Il y a tout le monde qui me regarde. Tac, tac, tac. Un seigneur d'applaudissements pour mon artiste. Première signature de la. Hello. Hola, comment ça va? Yeah, room service. Yeah, in English. Yes, sir. Can I help you? Yeah, yeah, yeah. Because I want to eat like now. I just want to eat like a lot. You know what I'm saying? Wait, I want to like, I just want like big burger, you know? Burger. Hamburger. Hamburger with French fries. Okay, sir. Yeah. I said I need it because I just want to eat like. I want to eat something good, now, like now, man. You feel me? Okay. What's the hamburger, sir? What you like to drink? To drink, like, an iced tea, please. Sorry? An iced tea. Iced tea. Iced tea. Iced tea. You got me now. You got me. Peach and lemon? Yeah. Peach and lemon. Peach. Peach, okay. Yeah.